Hunter, Wanda est devant mon sanctuaire. Elle m'appelle. Je crois qu'elle mérite qu'on lui réponde, pas toi? On devrait lui parler, alors. Je te retrouve au sanctuaire. Alors, quoi de neuf? Fury, vous m'entendez? À peine. On dirait que ce foutu temple brouille toutes les communications. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'évacuer les civils plus rapidement que ça? On fait ce qu'on peut. On a failli perdre deux avions de transport en survolant les montagnes. Et la Latvérie a fermé ses frontières, ce qui n'arrange pas nos affaires. Faites un effort, Fury. Il y a quoi, 20 000 habitants en transit? Le SHIELD devrait réussir à les évacuer en un jour. 20 000? Dites plutôt 200 millions. Il n'est plus question d'un seul pays. On doit évacuer toute l'Europe de l'Est. Si je prends un Queen Jet, je peux être là dans quelques heures. Vous n'avez qu'un mot à dire. Restez en dehors de ça, Cap. Concentrez-vous sur votre mission. On contrôle la situation. C'est pas l'impression que ça donne. Si vous pensez que... Fury ? Merde. Oh, qui c'est le plus mignon des chatons ? Hunter, tu as promis de me dire la vérité sur Agatha. Elle te l'expliquera mieux que moi. Elle est ici? Maintenant? Je suis juste là, Wanda. Tu ne me vois pas? Agatha? Où es-tu? Tu n'entends que ma voix. C'est mieux que rien. Agatha, il y a tellement de choses que j'aimerais te dire. Wanda, tu es mon élève. Ce n'est pas à toi de porter la responsabilité de ma mort. J'ai perdu le contrôle. Non, c'est ma faute. Je t'ai poussé trop loin. Oui, mais je dois... Ce n'est pas la première fois que tu visites ma tombe. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin de le répéter. Il ne nous reste que peu de temps. Kton est sur le point de s'éveiller. Je peux vous assister dans ce combat, mais j'ai besoin de votre aide. Le lien qui me retient à ce monde est très fragile. Un rituel me permettrait de le renforcer. Mais pour ce faire, j'aurais besoin d'une relique. Je crois pas connaître de rituel de ce genre. Il est décrit dans l'un des livres que je t'ai interdit de lire. Mais j'en ai lu beaucoup. Oui, tu étais plutôt précoce. Cela était des leurs. Je le savais. Je n'en doute pas une seconde. De quoi as-tu besoin exactement? Le chagrin de Sarah est ma plus forte attache. Cette relique symbolise le lien qui nous unit. De quoi s'agit-il? Je l'ignore, mais elle est dans sa chambre. Plus je m'en approche, et plus mon cœur se serre. Les fantômes ont un cœur? Et je ne m'en réjouis pas. Comment on doit s'y prendre? Peu de gens connaissent Sarah aussi bien que toi, Hunter. Je compte sur toi pour inspecter sa chambre et trouver cette relique, quelle qu'elle soit. Alors qu'est-ce que je dois faire? Observer et distraire. Alors je fais le guet pendant que Hunter fouille dans la chambre de Caretaker. Je le ferai bien, mais... Oh, t'en fais pas. Je regarde une série en ce moment où il y a un braquage par semaine. Faites-moi une promesse. Ne parlez pas du rituel à Sarah. Pas avant qu'il ne soit terminé. Pourquoi pas? Plus elle en sait, moins nous avons de chances d'y arriver. J'ai gardé ton secret jusqu'à maintenant. Et c'est ce que je vais faire moi aussi. Bien. Je vous fais confiance. Tu peux compter sur nous. Wanda, elle est déjà partie. Oh! Bon, c'est le moment de s'introduire dans les quartiers de Caretaker et de voler l'un de ses trésors. Allons-y avant que je ne change d'avis. À qui le dites-vous? Je te suis.
juste devant la porte. Dès que tu l'auras trouvé, je te dirai quand la voie est libre. Wanda ? Salut, Nico. Qu'est-ce que tu fabriques devant la chambre de Caretaker ? Rien. Et je ne suis pas devant sa chambre. T'es... Nico, ça te dérange pas que je l'attende toute seule ? Pas du tout. Bonne chance. C'est bon, elle est partie. Dépêche-toi, c'est plus difficile que dans les films. Tout se passe bien là-dedans. Je l'ai. Ok, Wanda. La voix. Caretaker ! Salut. Et comment ça va ? Je suis fatiguée, la journée fut longue. Oh, m'en parle pas. On devrait aller se promener autour de l'abbaye. Et pourquoi on ferait ça ? Ça fait toujours du bien de se dégourdir les jambes après une longue journée. Alors pourquoi on n'irait pas... Wanda, il est tard, je vais me coucher. J'aimerais te parler. D'Agatha. Vraiment ? J'ai... On peut aller se promener. C'est à propos d'un truc qu'elle m'a dit. Sur toi. Wanda, nous n'avons pas à en parler. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne pourrai jamais me racheter. Mais j'ai un merveilleux souvenir d'Agatha, disant de belles choses sur toi. Ce serait pas juste de le garder pour moi, alors est-ce qu'on peut aller se promener ? S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais pas longtemps. Pas longtemps. Tu seras de retour dans quelques minutes, tout au plus. Allons-y. J'aimerais en finir avec ça. Entendu. Je te suis. Est-ce que ça va ? Juste une petite toux. Et pourquoi on n'irait pas dans la cour ? Hunter ? Iliana ? Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de Caretaker ? Je ne suis jamais venu ici, et tu ne m'as pas croisé. Compris. T'as réussi à sortir ? Mm-hmm. Bien, tu sais où me trouver. Je ne veux plus jamais faire ça. Quoi, une déclaration d'amour prématurée ? Je sais, le moment n'était pas bien choisi, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu sais que j'ai le pouvoir de te changer en crapaud, pas vrai ? Pour m'embrasser et me rendre forme humaine ? Ah, passons. Et maintenant ? Je vais apporter ce... C'était quoi, en fait ? Un médaillon. Je suppose qu'Agatha nous expliquera ce qu'on doit en faire pendant le rituel. Et je le ferai. Agatha, on a la relique de Caretaker. Je sais, je sens sa présence. Pourrais-tu me rendre service et placer un sceau dessus ? Bien sûr. Voilà qui est mieux. Est-ce que tu te souviens du rituel du Libris Iniquitus ? Le Sénéchal Gris ? Mais c'est... Interdit, oui. J'allais dire, extrêmement dangereux. Et je ne le suggérerais pas si la situation n'était pas aussi désespérée. En quoi consiste ce rituel exactement ? Le Sénéchal Gris repose sur un objet qui lie l'esprit à une personne ou à un lieu. Pourquoi est-ce si dangereux ? Cet objet est détruit dès le début du rituel. Pendant un court instant, l'esprit devient ainsi très vulnérable à la dissolution, la possession, la destruction. Je ne peux pas dire que ça me plaise, mais je te soutiendrai si tu veux prendre le risque. Regarde-toi. Je suis si fière de voir la personne que tu es devenue, Hunter. Crois-moi. Le risque en vaut la peine. Si le rituel fonctionne comme il se doit, tous les occupants de l'abbaye pourront m'entendre, me voir, et je serai capable de vous soutenir au moment opportun. Nous le ferons lorsque la lune sera favorable, mais Sarah ne doit surtout pas l'apprendre.
Pourquoi ? C'est elle qui a mis au point ce rituel, il y a des siècles. Elle sait qu'il est dangereux, et que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Elle ne permettrait jamais à Wanda de le diriger. Et pourtant, si nous voulons avoir une chance, il faut que ce soit elle. Non, je ne peux pas. Wanda, le pouvoir de ce rituel réside dans ses contradictions inhérentes. Et quelle plus grande contradiction que de ramener ton esprit à la vie. Mais Agatha, si je perds le contrôle... Ça ira. Tu n'en sais rien. Je sais que tu es ma meilleure apprentie, et que tu apprends de tes erreurs. Et je veux aussi que tu saches que je te pardonne sincèrement. Et pour cela, tu dois le voir dans mes yeux. D'accord. Il faut se préparer. Wanda, retrouve-moi dans ta chambre pour discuter du rituel en détail. Je te retrouve là-bas. Elle est déjà... Je sais. Hunter, est-ce que tu crois que je peux y arriver ? Oui, ça ne fait aucun doute. Pourquoi ? Parce que vous êtes la seule déchue à avoir su résister aux ordres de ma mère. Mais ça n'a pas suffi. Au contraire, c'est même pour ça que vous êtes là. D'accord. Dès que la lune sera favorable. Dès que la lune sera favorable. Ça va aller, Wanda. Je ne me souviens pas de ce bol. On dirait que mon offrande a été acceptée. T'es là pour t'entraîner, Hunter. On peut discuter un peu, sinon. Tout le monde me dit que j'ai la tchatche. Comment ça va, le moral ? Ce petit jeu de chasse aux ténèbres repose beaucoup sur le mental et la gestion des situations de crise. Un esprit clair et éveillé, ancré dans l'instant présent. Il n'y a pas d'arme plus puissante. Le délire New Age, c'est pas trop mon truc. Je préfère m'entraîner avec un pieu et une cible. Le résultat est peut-être le même, ou pas. On doit s'entraîner pour la mission qui nous attend. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais l'enfer sur Terre, c'est loin d'être une promenade de santé. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Lilith ne gagnera pas. Tu traînes beaucoup trop avec Rogers. Il se peut qu'on gagne, ou qu'on perde. Quoi qu'il arrive, je compte tuer le plus de démons possible. Nous ne sommes pas nés uniquement pour chasser les légions démoniaques de la surface de la Terre. Et je sais pertinemment que je ne me réduis pas à ça. Eh bien, Blade, il me tarde de survivre pour poursuivre ces conversations. Amen. Thank you.
On a enfin rétabli la connexion satellite avec la Transi. Passez-la sur l'écran, maintenant. Hydra a resserré son emprise sur la Transi. Et maintenant, l'engeance corrompue de Lilith est libre. Un aperçu des avenirs qui nous attendent si nous échouons à l'arrêter. On doit évacuer ces gens. Ce sont des soldats d'Hydra qui bloquent le pont. Ce ne sont pas seulement des soldats, c'est... Hé, hey, Captain Prodige, tu m'entends ? Crossbones. Je sais que tu te caches dans ta maison hantée. Alors écoute-moi bien. Personne ne quittera ce pays ou alors ce sera les pieds devant. À moins que t'aies le cran de prendre leur place. Alors qu'est-ce que t'en dis ? Tu te sens le courage de m'affronter ? Quand tu veux, Romlo. Romlo me provoque. Il essaie de me faire réagir. Il veut se battre avec vous. Si je me rends en Transi, je sais que je fonce tout droit dans la gueule du loup. Mais je ne peux pas rester ici sans rien faire. Ces malheureux ont besoin de nous. Nous irons en Transi tôt ou tard. Et quel que soit le plan de Crossbones, il prendra une raclée qui lui fera oublier son propre nom. Je ne vous le fais pas dire. Il faut juste rester prudent. Ce combat peut sembler gagné d'avance, mais Romlo a plus d'un tour dans son sac. Alors, quel est votre plan ? Mon plan, c'est d'arrêter Romlo, quoi qu'il en coûte. S'il doit s'en prendre à quelqu'un, ce sera moi. Ensuite, j'improviserai. Romlo ne m'échappera pas cette fois-ci. Pas encore. La situation en Transi se dégrade. Hydra bloque toutes les routes. Crossbones se moque de nous. Ne tente rien, Steve. Bye. Encore une soirée film ? On ne devrait pas appeler Nico ? Ce n'est pas une soirée officielle. C'est plutôt une façon de te dire merci pour ton amitié. Je n'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais petite. Je n'étais pas très populaire, si tu vois ce que je veux dire. Eh ben, vous vous en fichez peut-être, mais je vous admire beaucoup. Je ne m'en fiche pas du tout, Hunter. Je sais ce que ça fait d'être détesté. Je suis d'autant plus reconnaissante quand des gens m'apprécient. En Transi, mon frère Pietro et moi étions livrés à nous-mêmes. On allait de village en village pour faire la manche et enchaîner les petits boulots. On essayait tant bien que mal de survivre. Ça n'a pas dû être une période facile. On a survécu. Mais le plus dur, c'était de trouver la force de se battre. Ah ? Quand on était enfant, la Transi était un pays très pauvre. Nos parents ne trouvaient pas de travail. Un jour, mon père a volé du pain et des hommes l'ont poursuivi jusqu'à chez nous. J'avais peur qu'il lui fasse du mal. Je leur ai dit d'arrêter. Et j'en ai transformé la moitié en statue de pierre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas encore contrôler mes pouvoirs. Mais par ma faute, des hommes ont perdu la vie. Mais le pire dans tout ça, c'est que mon père s'est retourné contre moi et m'a traité de sorcière. Il a rejoint la foule enragée qui voulait ma peau. Pietro m'a attrapé et on a couru aussi vite qu'on a pu. On a compris qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. On était différents. Et il fallait se débrouiller seul. Je suis désolé. Ça a dû être terrifiant pour vous. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'allais finir pendue ou brûlée vive. J'étais même persuadée de mériter un tel châtiment. Oh, Wanda. Depuis, j'ai eu l'impression d'avoir une vie maudite, d'être condamnée à souffrir. Ce n'est que récemment que j'ai enfin eu la sensation de me relever. Qu'est-ce qui a changé ? Toi. J'ai fait ta connaissance et tu m'as sauvée. Merci de m'avoir accordé ton amitié. J'ignorais à quel point j'avais besoin de ce lien avec quelqu'un. Thank you.
Bon, les Sons, c'est le moment de tourner la page et de s'entraîner dur pour casser du Dilin. Et on peut plus remonter le temps. Vu que Docteur Strange s'est fait dérober tous ses artefacts temporels à New York. On va apprendre à ignorer la douleur, alors? Ah oui, ça marche toujours dans les films de boxe que je connais. On en est vraiment au point de devoir s'inspirer d'un film? Aux yeux de Kton, nous ne sommes que des fourmis. Si on veut gagner, il faut se battre ensemble. Concentrez-vous. Je suis d'accord avec Blade et la sorcière rouge. C'est pour ça qu'on s'est pris une raclée là-bas. On n'est pas comme les Avengers. On a de la chance d'être en vie. J'essayais pas de cracher sur ton idée, Blade. Mais si on s'entraîne ensemble, on pourra apprendre à se couvrir les uns les autres. Imaginez si Blaze avait choisi de rester avec nous pendant tout ce temps. Rien ne pourrait nous arrêter. Tu as raison, Robbie. C'est ce qui fait notre force. Il est hors de question que je dise « nous sommes les Midnight Suns » ou un truc débile dans ce genre. C'est beaucoup trop ringard. Mais je pense que vous aurez compris l'idée générale. Et si on profitait de toute cette énergie positive pour s'entraîner à lancer Spider-Man sur une armée de démons sanguinaires? On n'a qu'à se dire que c'est un ballon de foot. Voilà, c'est ça qu'on veut! Attendez, c'est pas juste. Vous pouvez me dire pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et si vous alliez montrer aux petits jeunes comment on fait? Seulement si je peux choisir la musique d'entraînement. Vous êtes du genre à aimer la musique pop des années 90. On pourrait choisir un morceau avec des cloches. Ah, oh, du disco? C'est pas parce que vous avez des griffes en adamantium que vous pouvez... Un petit entraînement? Tu crois que Docteur Strange connaît Merlin? J'attends toujours que quelqu'un prenne cette épée. Il est temps de passer au niveau supérieur. Hydra ne viendra plus me chercher des noises. Tu ferais peut-être mieux de me contacter sur Super Linux. Tu devras t'y mettre. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours des choses à améliorer. Prends ton temps, je vais méditer un peu en attendant. Le pouvoir de la magie du chaos grandit. Ouais, c'est sans doute pas une décision facile. Les malins maintenant.
Je l'essaierai la prochaine fois. Tu t'es jamais demandé si ces oiseaux étaient coincés ici, dans la bulle de l'abbaye? C'est assez flippant quand on y réfléchit. Plus rien ne peut m'arrêter. De tester ça. Ça fait pas de mal de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Mettre toutes les chances de notre côté. T'es de retour ? C'est quand tu veux. Surtout ne jamais oublier. Ça va te plaire. Salut Hunter. Je vais en faire votre stage. Parfois, je m'impressionne moi-même. Bienvenue à la Forge des Mystères du Grand Tony, ouverte 24 heures sur 24. Je reste là si t'as besoin de moi. C'est de mieux en mieux. Je reste là si vous avez besoin de moi.